heures du matin. Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans cet épisode 27 d'Au coin du Blu-ray. Épisode 27 qui passe donc à la lettre M. Et dans la lettre M, et ben, j'ai pas mal de choses, mais c'est plutôt des classiques. Genre La mort aux trousses par exemple. Enfin, La mort aux trousses, je suis pas sûr d'avoir besoin de le présenter. C'est un immense moment de cinéma livré par Alfred Hitchcock, donc voilà, ça me semble assez clair. J'ai également Midnight Express, mais Midnight Express, je ne vous le dis pas ici, mais on aura l'occasion d'en parler dans une autre émission. Mais donc du coup, j'ai décidé de me centrer sur un petit film d'épouvante, qui est sorti il y a maintenant quelques années, que personnellement j'adore, qui n'est pas forcément vu comme un moment de cinéma plus que ça maîtrisé par pas mal de monde, mais que j'avais un petit peu envie de remettre sur le devant de la scène, parce que dans quelques semaines, normalement, lorsque sort cette vidéo, il y a une suite spirituelle à un grand moment de cinéma d'épouvante livré par le mec à qui on doit le pitch de base de son métrage, Clive Barker, qui va sortir, un certain Candyman. Et du coup, j'ai décidé de parler de Midnight Meat Train, de Ryuhei Kitamura, qui est souvent un peu mis de côté comme étant une bonne série B, mais que je trouve vraiment beaucoup plus impactante que ça. L'histoire, c'est celle d'un photographe qui, un soir dans le métro, va se retrouver à photographier un mystérieux grand homme bien baraque et assez imposant. Et il va devenir un petit peu obsédé par celui-ci et chercher à découvrir finalement qu'est-ce qu'il cache parce que potentiellement, il serait derrière une mystérieuse série d'enlèvements et de meurtres. Midnight Meat Train est un film qui a un parti pris assez simple. Je pense pas que ça soit un long-métrage qui a envie, dans sa forme, dans son écriture, dans sa composition des personnages, d'être plus que ça novateur. Mais il y a la même sève qui fait l'essence même des bons personnages créés par Clive Barker. Donc Clive Barker, c'est Candyman, c'est également Hellraiser, et c'est aussi donc Midnight Meat Train. C'est un mec qui a toujours été capable de concevoir des grandes figures du mal, qui, au travers de traits assez simples, sont capables d'être assez terrifiantes. Ça s'inscrit parfaitement dans ce qu'il y a eu dans les années 80-90 comme mouvement horrifique. Cette idée de vouloir absolument créer des figures du mal personnifiées, qui vont vraiment terrifier le spectateur en une fraction de seconde et qui vont plus devenir des formes de réflexion mythologique ancrées dans la réalité, plus proches donc de la légende urbaine que de réellement un espèce de mythe qui traverserait les âges et les passions. C'est ça que je trouve très intéressant avec Clive Barker et c'est ça que je trouve que Ryuhei Kitamura arrive parfaitement à faire ressortir au sein de Midnight Meat Train. Midnight Meat Train est un film qui arrive avec très peu d'effets, avec une sobriété et une certaine envie de vouloir nous choquer, à réussir à construire une ambiance et un caractère qui sort vraiment de l'ordinaire pour un film de ce genre. Je dis pas que le film est parfait, loin de là. Il y a pas mal de petites maladresses à gauche et à droite. Je dis pas que le film est maîtrisé de bout en bout par le cinéaste japonais. C'est pas le cas. Clairement, Kitamura, il a tendance à céder à pas mal d'effets et d'instants un peu clichés. Et c'est un peu ce qui caractérise le cinéma de Kitamura. Vous regardez les films qu'il a livrés depuis, c'est jamais des films qui sont subtils dans leur composition de la mise en scène, mais c'est des films qui ont de vrais effets, des vraies envies visuelles, une envie de faire peur profondément, de choquer un peu le spectateur, mais aussi de le malmener plus radicalement. Et c'est ça qui ressort de Midnight Meat Train. C'est cette sensation que le film a vraiment envie de nous pousser dans nos retranchements. Nous dire à chaque seconde vous allez être terrifié parce que le film veut vraiment être dur, veut vraiment être noir, veut être violent, veut être cruel. Et même dans ce retournement de situation qui, pour certains, pète un petit peu l'immersion du long métrage. Pour moi, personnellement, je trouve le film assez intelligent, justement, dans sa conclusion. Il arrive à pousser certains personnages dans des retranchements et surtout à inciter le spectateur à se dire qu'il y a une vraie mythologie derrière. Ce qui est le cas avec Clive Barker. Et en plus, si on est fan de Clive Barker, on va sentir qu'il y a un petit peu cette envie de vouloir surfer sur les mêmes effets qui font Candyman et Hellraiser. Cette idée de filiation, cette idée de continuité de la mythologie. Et c'est ces petits effets-là que je trouve très intéressants et qui arrivent à porter Midnight Meat Train. Et au-delà de ça, Ryuhei Kitamura, les séquences où il y a le fameux tueur, je vous invite à vraiment les regarder doucement parce que il y a des effets, il y a des parties pris. Enfin, là, on va avoir typiquement l'une des séquences en question. C'est pas subtil, j'ai dit, hein, parce que là, vous venez de le voir, c'est vraiment pas subtil. Mais ça a de la gueule et ça choque et ça marque et ça construit des figures mythologiques
Et c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais je trouve que c'est ça qui arrive à faire en sorte que ce film impacte profondément le spectateur et qu'on le garde en tête. Et c'est des trucs tout bêtes, mais il utilise des effets de caméra. Genre là, par exemple, voilà, il a une caméra, il a une sonoricam sur un crochet, quoi. Qui met une sonoricam sur un crochet pour rendre une séquence de meurtre encore plus choquante? Peu de personnes. Et Ryuhei Kitamura, il arrive à rendre ça esthétique et pour moi, est simplement fou. Et ça me permet, vu qu'on est sur la séquence là, de parler de la performance de Vinnie Jones. Vinnie Jones, c'est un acteur qui est capable de tout jouer, qui est surtout connu pour son rôle dans Snatch. Mais personnellement, moi, je l'aime beaucoup dans le rôle de cette espèce de figure monolithique terrifiante qu'il a tout du long de Midnight Meat Train. Il est extraordinaire, il se donne à fond, il livre la performance de sa vie. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et on peut citer aussi Bradley Cooper, mine de rien, qui s'en sort plutôt bien, qui était encore dans sa période jeune miné. Il n'était pas encore dans sa période grand acteur studio qui avait des rôles à Oscar. Il était vraiment dans la période avant Very Bad Trip. Période un peu beau gosse, où il joue des personnages un peu torturés, mais pas forcément trop. Et je trouve qu'il s'en sort bien. C'est pas forcément la meilleure performance de sa vie, mais il s'en sort bien. C'est plutôt justifié et c'est plutôt intéressant. En termes de bonus, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent ici. Au-delà de, bien évidemment, comme on était dans cette période-là, mettre en avant le fait que le film soit en haute définition, parce que c'était encore le début du Blu-ray. Il y a des entretiens avec Clive Barker, il y a des entretiens avec Ryuhei Kitamura, il y a des entretiens avec Bradley Cooper, il y a des scènes coupées. Le film est bien garni là-dessus. Il y a pas mal de bonus, il y a de quoi se faire la main. Et franchement, l'interview de Ryuhei Kitamura, c'est génial, mais on sent que le mec, il y croit à fond à son film. Et surtout, bon, je l'ai dit, le film est bon, mais pas au-delà de dire que c'est un chef-d'œuvre. Lui, il pense que c'est un chef-d'œuvre d'horreur moderne. Et il pensait vraiment à l'époque avoir livré le Candyman des années 2000. C'est pas le cas. Clairement pas le cas. En même temps, Candyman à l'époque était encore un peu dans les vapes avec cette espèce de troisième volet complètement pété. Mais en tout cas, ça n'enlève rien au fait que Midnight Meat Train soit un très bon film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de regarder. Parce que je pense que vous pourriez passer un moment très terrifiant devant. Vous pourriez vraiment découvrir une petite perle d'épouvante. Et en plus, c'est porté par deux super acteurs. Et surtout Vinnie Jones, qui se donne vraiment à fond. Donc regardez Midnight Meat Train de Ryuhei Kitamura. Ça vaut le coup d'œil. Ainsi s'achève cet épisode 27 d'Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre œuvre préférée, tiens, de Clive Barker. Je sais que pour pas mal, c'est Hellraiser. Moi, perso, ça reste Candyman, mon film préféré inspiré des œuvres de Clive Barker. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, je regarderai. Et d'ici là, ben, je vais vous dire à chaque fois ce que je vous dis à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.